Au Malawi, la police a fait usage vendredi des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation contre la vie chère et la corruption. Environ 10 000 personnes sont descendues dans les rues de Lilongwe, la capitale, pour demander au président Lazarus Chakwera de respecter sa principale promesse de campagne, la création d'un million d'emplois et la relance de l'économie. Depuis son élection en 2020, le successeur de Peter Mutharika peine à concrétiser cette promesse. Alors que le coronavirus n'a pas épargné la situation socio-économique du pays, jugée déjà alarmante. Les manifestants ont donné 14 jours au gouvernement pour répondre à leurs demandes, faute de quoi ils descendront une nouvelle fois dans les rues.